j'ai pas pris. En tout cas, celui-ci. Yes, just to see, we just started 8 minutes ago. I don't know if you're gonna join. Okay. Je voulais parler des loans. Faites attention, hein. Une fois que vous êtes dans le trade market comme ça, je ne sais pas comment ça se passe. Mais ils ont une façon rapide d'actualiser dans le système et d'informer les créditeurs. Que vous êtes cash, que des cash flow going in your account. Je ne sais pas comment ils communiquent, ces gens-là. Ils sont tellement rapides. Donc, ne soyez pas surpris de commencer à recevoir les messages. Ils vont même vous supplier. Tu vas recevoir, oh, you are pre-approved. You are pre-approved for a platinum card, for a gold card, for this. On me propose à 100 000 $ de loan. On me dit même que pré-approuve, donc que tout ce qu'on veut seulement, c'est que tu confirmes, là, que l'argent vient. On doit un peu éviter les choses comme ça. Parce que l'objectif ici n'est même pas de mettre l'argent, mais c'est de faire l'argent dans ça, c'est de grandir notre compte. On doit un peu rester loin de là. Bon, je veux... Oh, j'ai une dernière personne que j'attends. Je ne sais pas pourquoi cette personne traîne comme ça. Ne vous dérangez pas, je vais compenser votre temps. Je vais compenser votre temps. Entre-temps, on peut parler de quoi? J'espère que chacun ou chacune, je ne sais pas si je ne connais plus pas le français, j'espère que chacun de vous a noté toutes les petites questions qui les dérangent encore. Toutes les petites questions qui dérangent, parce que je suis content qu'on a passé tout ce temps ensemble. Je suis content que vous connaissez déjà un peu mes heures d'être occupé. Je ne sais pas si je vais dire la bonne ou la mauvaise nouvelle, mais après vous, je vais maintenant avoir jusqu'à 2 différentes classes. Il y aura une classe de 7h à 9h, il y aura une classe de 20h à 22h. Donc, vous voyez, même le petit temps que j'avais le matin là, je n'aurai plus. Ça veut dire, pour me joindre pendant ces heures-là, il faut texter. Et je vais vous répondre. Sauf si on se parle dans le groupe qu'on va... Le groupe, c'est là qu'on va transformer en VIP, oui. Là, à tout moment, même si c'est 3h la nuit, là-bas, vous pouvez parler. Texter, parler, même. Appel direct là. Vraiment, excusez-moi, ce n'est pas le mépris. Vous êtes même de grandes personnes et vous êtes beaucoup de vous. Je vous aime beaucoup. On est faim comme la famille. Mais il y a des heures où, vous voyez, je peux décrocher par respect, mais le respect là peut se tourner en mépris. Je prends un cas simple. Ma soeur que j'aime beaucoup, Flore, qui a peut-être cru que moi j'étais... Non, je ne vais jamais. Je sais une chose. Je ne suis pas les gens de Dieu qui disent que j'ai vu Dieu. Je n'ai moi jamais vu que j'ai vu Dieu. Mais une chose que je fais quand même, avoir vu, j'ai vu le Saint-Esprit qui m'avait visité, ça c'est quand j'étais à Ohio. Je n'ai pas vu un visage, mais j'ai vu la fumée blanche. Ce n'est pas le film, c'est vrai. Et j'ai compris, une voix me dit, Steve, sûrement tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie, n'est-ce pas? Sûrement tu fais comme si tu deviens fou, parce que je ne comprenais pas. Partout, je parle, on me dit, mais il y a un appel dans ta vie, partout, les choses changeaient. Et la voix m'a dit, tu es mon fils bien-aimé sur qui j'ai jeté mon dévolu. J'étais choisi. Mais une chose que j'attends de toi, c'est l'humilité. Sois humble et tu n'imagines même pas la hauteur de la bénédiction que je vais faire dans ta vie. Et
pour ceux parmi vous qui me connaissent un peu, hormis le monde et qu'on voit sur Facebook ou qui bavardent souvent, qui blaguent beaucoup, j'ai traversé des moments compliqués où le Seigneur m'a frappé. Je connais ce que c'est que quand Dieu frappe quelqu'un. Je connais. C'est pas ce qu'on dit là. Je connais. Le Seigneur m'a frappé et je ne peux plus moi jouer parce que je connais les conséquences. Donc, si lui-même il me dit, sois humble, je ne peux pas ne pas être humble. Ça veut dire, quelle que soit l'occasion qui va arriver, pardon, ne croyez jamais que monter a changé. Donc voilà qu'il y a l'argent maintenant. Il est devenu comme ça. Ou ne croyez jamais que, oh, il a perçu notre argent, maintenant il n'a plus notre temps. Non. J'aurai toujours votre temps. Toujours votre temps. Mais bien sûr, même la Bible dit que la bonne charité commence par soi-même. J'aurai votre temps, mais je dois aussi avoir mon temps. Le temps de mes enfants. Surtout que, excusez-moi de le dire tout le temps, hein, je le dis avec fierté, avec amour, avec. Je me vante de le dire, surtout que je viens d'avoir été béni avec une petite ange qui je dois lui donner aussi du temps. Donc vraiment, pardon, comment on se sépare là? Vous serez toujours dans les prières, mais pour me joindre, vraiment, parlons dans le groupe. Si je ne réponds pas, taguez-moi dans le groupe. Si je vous tague, je ne réponds pas. Comprenez que non. Sûrement, il est en train de faire une autre classe. Vous savez, c'était mon premier essai. Je veux vous dire merci parce que je ne pouvais pas faire ça. Ce n'est pas comme les gens disent sur Facebook ou partout dans les messages. Mais vrai, vrai, je n'aurais pas vraiment pu faire ça sans vous. Vraiment, non. Ce n'est pas les paroles pour flatter. Chacun de vous, surtout Alliance, vraiment Alliance, tu m'as beaucoup aidé dans le coaching. Peut-être tu ne sais pas, tu m'as beaucoup coaché même sans savoir. Donc, au lieu que c'est moi qui te coach, tu me coachais tout le temps, tu m'appelais, tu dis, oh, wow, tu as écrit, tu excelles. Vous savez, quand tu montres à quelqu'un que la personne a du potentiel, quand tu montres à quelqu'un que la personne a du potentiel, fait à une vie de ce parfait. Pourquoi? Parce qu'aucunement, pourquoi? Parce que la personne n'a aucunement envie de te décevoir. Donc, avant que je m'égare dans les enseignements, je veux dire merci à Alliance, merci à Mirabel, merci à Dimitri, merci à Eddie, merci à toi Flore, toi qui m'as même enseigné au départ, tu m'as enseigné que non, tout le monde doit faire des notes. Ça m'a beaucoup aidé vraiment. Je ne sais pas si je vais réussir sans ton enseignement. Flore, merci à toi. Merci à toi Larissa, pour ton aide que tu fais, qui joue un rôle important, peut-être tu ne sais pas aussi. Merci, je ne sais pas si j'ai oublié un nom, merci à tout le monde, vraiment, vous avez vraiment, 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 you play your part, guys. Vous avez joué votre partie dans ce jeu. C'est pourquoi maintenant, vous m'avez payé depuis, mais je ne veux pas qu'on se sépare comme ça. J'ai promis. Je suis un être humain, naturellement, tout être humain. J'avais planifié faire un groupe VIP où on devait payer par mois pour y rester et à recevoir mes alertes. Mais vraiment, vu que vous êtes la première classe, vu que vous avez été là pour moi, vous m'avez soutenu. Non seulement vous m'avez payé, mais en plus de ça, vous m'avez même encore aidé. Non, j'ai décidé que ce groupe-là va vraiment être gratuit à vie. Avis pour que vous recevez toujours les alertes. Mais j'ai une question et je veux que chacun de vous réponde. Est-ce que vous aimez mes alertes? Mes alertes pour acheter, vous aimez ça et pour vendre?
je voulais Oui, j'ai bien aimé. J'aime tes navettes et puis ça m'a beaucoup aidé aussi. Est-ce que tout le monde peut répondre à tour de rôle? Oui, Larissa. Oui, comme tu connais mon style, moi j'ai beaucoup aimé. S'ils ne sont pas les allèles, là, moi je ne saurais même pas comment, comment faire pour savoir qui est bon, qu'est-ce qui est bon pour bien sur le marché et tout. Tu vois les noms là, tu vois. Si moi, ah, mais je suis nouvelle dans tout ça là. Bon, tu tiens pas là tout le temps, moi je serais vraiment, vraiment égarée. So, c'est grâce à ces allèles là que tu fais que, sans te mentir, je suis tes pas. C'est tout ce que je peux te dire. Moi, si tu me lâches un peu, tout moi, je vais arrêter. Toi-même, tu sais. Personnellement, toi, tu m'as impressionné. Tu sais pourquoi? Non. Parce que quand on a commencé ces cours, tu ne connaissais rien, même de tu ne connaissais même pas ce qui veut dire stock. Non, pas du tout. Tu ne connaissais C'est même toi qui pas. m'as parlé de ça, non? Donc, d'une personne qui ne connaissait même pas la définition de stock à une personne qui aujourd'hui fait l'argent, c'est vrai que tu as des problèmes avec ton application, mais finalement, Ouais. c'est pas. Oui, ça a été réglé. Sauf à, tu as quand même fait un bénéfice de combien depuis que tu as commencé à faire? Ah, mais c'est sans mentir, c'est aujourd'hui vraiment que je commence. Comme tu dis, j'ai eu les problèmes au départ, il fallait que je... Non, c'est hier que j'ai commencé. Aujourd'hui, je n'ai pas encore... Oh, j'ai eu combien? J'ai eu combien? 100 dollars? Oui, 100 dollars, je pense. 100 dollars aujourd'hui. Oui. Et hier, tu as eu combien? Hier, 70 dollars comme ça. Parce que j'essayais que je commençais. Bon, Donc, pas oui. Tu dis quoi? Donc, tu as eu 170 dollars en 2 jours. Oui. Personne qui ne connaissait pas le nom de stock, tu as 170 dollars en 2 jours. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Bravo, Thank bravo, you, bravo. Bravo, thank bravo. Bravo. you. Thank you, vraiment. Moi, je suis vraiment contente. J'espère que ça me plaît vraiment qu'on garde ce groupe-ci-là. Franchement, parce qu'il y a aussi, on s'aide beaucoup là à l'intérieur, ça m'aide beaucoup, beaucoup. C'est vrai que je parle pas vraiment beaucoup parce que souvent il y a le bruit des enfants, mais je vous écoute attentivement. Je vous écoute, je suis vos pas. Donc, en gardant ce groupe-ci là, franchement, ça doit beaucoup m'aider. Beaucoup. OK. Merci. Merci. Et suivant. Ok, Steve, tu connais, quand tu le premier jour, tu m'as parlé du truc, moi je n'ai pas douté de toi parce qu'on se connaît de loin, on vient de loin. Donc je n'ai pas eu peur de toi d'abord. Et ensuite, le stock, si j'ai voulu faire ça depuis, mais je n'ai pas vraiment trouvé la personne qui allait me mettre. Donc, comment dire, qui allait arrêter ma main, tenir la main. Ce n'est pas un truc qu'on entre comme ça. C'est que tu vas perdre beaucoup d'argent. J'en connais beaucoup de personnes. C'est pour ça, quand tu m'as parlé de ça, et tu as expliqué ça, et tu as dit que, man, si tu as un mail, moi, je viens m'asseoir que chez toi, on travaille ensemble. Tu m'as dit que non, tu n'es plus là. Je dis que, OK, il n'y a pas de souci, on va bosser. Donc, sauf que je suis content. Je suis même prêt à mettre déjà. J'ai augmenté mon capital audio à Tenkolo. Donc, lundi, là, je veux seulement. Voilà. Nice. Donc, il faut seulement. Tout ce que je Très dis, c'est qu'il faut très qu'on beau. garde le groupe, si. Et que constamment on s'envoie les alertes. S'il y a un nouveau stock qu'on peut travailler, on travaille ensemble, on essaye de voir, on étudie ensemble. Tu vois, là, comment on fait d'habitude là, non? C'est bon. On s'entraide, quoi. C'est ça. Tu peux avoir un cumul total du bénéfice que tu as fait, Sofa, en quelques jours? Oui, comme bénéfice, hier j'ai fait dans les 50 dollars. Aujourd'hui, j'ai fait 30 parce que j'ai encore les trucs sur le marché. Donc, c'est demain que je serai vraiment. J'ai les produits que je n'ai pas vendus aujourd'hui. Je suis dans 80. Je pense que demain, si les produits la sortent. Et tu n'as pas créé entière. Non, avant-hier, tu sais que j'avais un problème avec ma banque, non? Oh, Il ne voilà. m'avait pas encore déposé l'argent.
Ouais, j'ai oublié. J'ai Donc, oublié. C'est pour ça que j'ai. C'est hier la prise a commencé. C'est bon. C'est bon. Bon. Surtout que malheureusement, les jours où il y avait l'argent, tu n'as pas trait. Oui. Je vous ai appris que ce n'est pas automatique. Il n'y a pas de formule, mais malheureusement, jeudi et vendredi, ils scannent la trique et ils ont un peu dur parce que je vous ai appris un peu pourquoi, non? Oui. Il y a panique sur le marché. Oui. Comprenez? Je vous ai dit, prenez le. Nos parents là étaient. Regardez les milliards. Cameroun fait toujours les cas, les fautes, ils n'ont pas fait l'école. Nos parents étaient très forts. C'est même souvent l'école là qui vient encore bloquer certains gens. Non, pas pour dire l'école n'est pas bien. Prenez le stock market comme nos parents. Que veut dire le marché? Quand il y a beaucoup de produits sur le marché, si tu sors chez vous, tu vas vendre les plantains mûrs. Tu sais bien que ça va mûrir. Tu arrives, il y a trop de gens, il y a peu de clients. Le prix, tu seras obligé de liquider pour quitter sur ça, pour que ça ne se pourrit pas. Mais si tu arrives avec tes plantains, 20 régimes, il n'y a pas de plantain, il y a trop de clients qui s'alignent. Tu vas augmenter le prix. Si tu voulais vendre à 3 500, tu vas augmenter le prix parce que là, la demande est forte. Lorsque la demande est forte, le prix fait quoi? Le prix augmente. Lorsque la vente, l'offre est forte, le prix diminue. Ça veut dire quoi? Pendant jeudi, mais écoutez bien, jeudi, vendredi, avec la pandémie du coronavirus, il y a trop de qui n'ont pas l'expérience, qui ne connaissent pas protéger le stock comme je vous ai appris, qui ne connaissent même pas acheter un stock avec garantie, avec vision, avec après-étude. Ils ne connaissent, on ne va même pas parler de la courbe, du chart. Ils ne connaissent pas ce que fait que le chart. Eux, maintenant, ils ont entendu que le stock market dans l'argent. Ils ont couru dans le stock market. Ils vont acheter. Maintenant, quand jeudi et vendredi viennent, ils font quoi? Ils veulent vite vendre. Pourquoi? Parce qu'il y a long week-end. Il y a samedi, il y a dimanche, 2 jours. Ils savent qu'en 2 jours, le stock peut mourir. Tout le monde veut vendre. Alors, il y a une masse de personnes qui veulent dégager le produit. Ce qui fait que la vente, l'offre est beaucoup. Quand l'offre est beaucoup, regarde, le prix diminue. C'est pourquoi c'est dur de vendre jeudi, vendredi. Tu pouvais vendre, mais qui veut vendre et perdre? Tu ne veux pas perdre parce que la valeur diminue. Tu es obligé de garder. Maintenant, lundi, mardi, mercredi, boum! Le marché, vous voyez un peu, le marché, j'ai fait combien il y a pratiquement devant vous? 100 dollars, dont le marché est fini. Mon petit, encore que non, je peux vendre jeudi, je peux vendre vendredi, parce qu'il y a encore les jours. Mais la fin de semaine, c'est toujours un peu comme ça. Occasion pour beaucoup, ceux qui ont l'expérience, de faire quoi? De restocker et de faire maintenant ce que je vous ai appris, l'arme de combat, l'arme secrète, le swing trade, in and out, pour rentrer, pour avoir quand même de quoi payer les factures. Parce que même comme c'est dur, j'ai quand même fait peut-être 500 dollars aujourd'hui. Et je suis sûr que certains gens, si on fait aussi bien l'argent, on va demander à la prochaine personne. Merci Dimitri, merci. Toi surtout, tu m'as touché d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Parce que tu me connais depuis des années. Tu connais même où tu me connais depuis Bipanda. Et quand tu m'as approché, chers amis, il me dit, waouh, frère, qu'est-ce que je vois comme ça? Grand, il m'appelle Grand. Grand, qu'est-ce que je vois comme ça? Grand. Il dit, Grand, tu sais quoi? J'ai vu, je vois les gens commenter. Moi, je ne veux même pas savoir, c'est combien. Je dis, attends, il te fluide. Il dit, c'est combien? Je vais faire. Regarde, il m'a envoyé l'argent avant même de demander les informations. Il dit, l'argent ne te fait pas, je n'ai pas peur de toi. Donc, ça m'a touché et c'est pourquoi je lui dis, je dois les donner la connaissance pour qu'ils partent être, ils ressortent être plein, chargés. Donc, merci Dimitri. J'espère que tu es prêt maintenant, n'est-ce pas Dimitri? Je pense, tu sais que c'est avec le temps, non, qu'on va acquérir de l'expérience. Comme je vous ai dit hier, il a fallu que Goliath se mette là pour que David, pour que l'héros se révèle. David, même lui, quand il partait quelque part, il n'était pas sûr. Il a dit à Goliath, j'ai fait que tu me vois comme un faible. Il a dit, je reconnais que par mes forces, je ne peux pas. Mais le Seigneur entrera dans ma faiblesse et me donnera la force. Donc, il y a des talents. Là, j'ai déposé des connaissances en vous. Présentement, vous croyez toujours, certains de vous, vous croyez que vous vous en sortez parce que je suis là.
mais c'est lundi quand je ne serai plus là que en face de la situation vous allez comprendre. Oh, le coach parlait, vous allez pouvoir vous en sortir sans moi. Merci. Suivant. Alliance. Ok, bon, au début j'ai vraiment hésité, j'ai beaucoup hésité vraiment à commencer ce training. Moi, même tout le jour, il fallait que je commence. J'ai commencé à me dire que oh, mon enfant me dérange et tout, mais tu as insisté que viens, on va faire. Sauf que quand même, j'ai beaucoup appris. Je ne m'y connaissais vraiment pas. J'en avais entendu parler, mais je ne m'y connaissais vraiment pas. J'ai oublié. Excuse-moi si tu t'appelles Alliance, c'est parce qu'on est amis. Normalement, je t'ai respecté Docteur Alliance. Et en passant, docteur, deux doctorats. Elle a deux doctorats. Pardon. Je ne m'y connaissais vraiment pas, mais j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé. Ok. Et j'ai aussi un bébé. J'ai accouché, donc mon enfant me. Mes enfants me dérangent beaucoup. Tant que soit, je suis silencieuse. Thank you. Les enfants me dérangent beaucoup, ça que souvent je suis silencieux, mais j'ai beaucoup appris, vraiment. Je ne peux même pas mentir. J'ai... Hey! Stop it! Vous voyez, non? C'est pour ça que je suis tout le temps sur silence. J'ai beaucoup appris. Comme je travaille souvent de nuit, là, je n'ai pas. Comme je suis venue, je n'ai pas beaucoup eu la chance d'être debout à 9h du matin, mais j'ai quand même vendu. Hein. En une semaine, je pense avoir déjà fait 250 ou 300 $. Bravo. Donc, je vais essayer seulement de me lever le matin maintenant pour pouvoir vraiment m'y mettre. Quoi. Et hopefully, ça va aller. Bravo. Ok. Sorry pour le bruit. Hein. C'est ça que je ne parle parce que j'aime parler toujours les enfants autour de moi. Merci beaucoup. Ok. Irabel. Bon, c'est moi maintenant. C'est moi, Eddie. Tena a dit bonsoir à tout le monde. Et vraiment, merci à Oncle Steve parce que vraiment, il m'a vraiment beaucoup appris. Quand il parlait même que quelqu'un l'avait bloqué, c'était moi. Moi, je l'ai bloqué comme ça là parce que. Donc. Il ne sait pas comme moi, je dérange souvent dans ma tête, tout ça. Et moi, il a appelé un jour comment il va apprendre ça. Bon, après, j'ai un peu perdu le temps pour dire que je vais entrer. Après, quand il a appelé, il n'a pas appris. Il me disait qu'Oro, il n'était pas intéressé à ce que moi voulais. Donc, moi, il pensait qu'Oro, peut-être c'était un truc que non, il ne voulait plus que moi, j'en. Mais c'est un gars, comme il a expliqué là, qu'il est vraiment occupé, busy. Et vraiment, je vois vraiment que vraiment. Il a vraiment raison parce que ce qu'il fait là, il fait vraiment un grand boulot. Tena m'excuse encore en public avec ça par rapport que je m'excuse. Et aujourd'hui, je suis entré, j'ai appris vraiment. Je suis entré faire l'argent que je ne sais pas un jour si je devais faire ça parce que j'ai toujours voulu faire le stock market. J'ai fait le stock market, j'ai fait ça, mais je n'ai jamais vraiment compris les choses, les volumes, comme il dit là, le market capacity, les trading. Stop all those things. Like I never knew it. I never like know how to do it. I never même le graph. Je n'ai jamais compris le graph. Je disais que c'est quoi ça. Aujourd'hui, je comprends les choses et j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai même fait l'argent. J'ai fait $80. Hier aujourd'hui, j'ai fait $40. Je sais pas vraiment comment je vais dire merci à Oncle Steve parce que c'est vrai, je suis jeune, mais je fais les erreurs, mais vraiment, je dis vraiment désolé par rapport à tout ça. Et vraiment, merci. Et merci à tout le monde dans le groupe. Là, vraiment, quand vous ajoutez des informations dans le groupe, on voit aussi, on prend, on achète, on voit si on voit qu'on perd l'argent, on voit comment on va faire pour swing trade et ça. Tu vois un peu, ça aide vraiment tout le monde. Et je voulais vraiment remercier tout le monde par rapport à ça. Bon, je laisse la parole à une autre personne. Merci à tout le monde. Et je vais te répondre. Quand j'ai fait mon post sur Facebook, je ne vais pas vous montrer. J'ai pensé à la publicité. J'ai pensé à des messages qui devaient amener les gens à venir suivre mon cours. Après, j'ai suivi une voix à moi qui a dit, parce que vous savez, l'appel de Dieu que j'ai, une voix m'a dit, non, tu n'es pas où tu es parce que tu es trop fort.
C'est la mission que j'étais appelé pour cette mission. La voix a dit, laisse-moi faire, ne prends plus le devant, laisse-moi prendre contrôle. Et je me suis laissé faire. Et tu es allé sur ma page et dit, tu étais l'un des plus vrais de tout le monde. Tu as dit que, waouh, à peine 2 jours, c'est comme si je ne suis plus la même personne. Il m'a changé. Ton message m'a touché. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas la motivation que ces gens me donnent, mais je fais que tu voulais réveiller un champion en eux. Et je fais, je vous ai dit ça hier, peut-être vous n'avez pas cru. La technique que je vous ai appris, je fais que vous avez beaucoup d'argent. Je fais que cet argent ne soit pas là pour faire votre gloire, non. Mais que cet argent fasse la gloire de Dieu. Je viens toujours avec Dieu ici, pourtant on n'est pas en train de prêcher. Prenez cet argent pour accompagner les autres. Dans 1 Timothée 5, verset 8, ça dit les œuvres de Dieu commencent d'abord chez toi, à la maison. Ça dit, he who have refused to take care of his, les gens de la maison, de ses gens, de ses frères, de son père, sa mère, have denied faith. Il est pire qu'un infidèle. Donc, je ne fais pas, il dit, que tu fasses beaucoup d'argent et que tu t'occupes de ta maman. Tu t'occupes de ta famille. Ainsi, hein, tu seras en train de plaire à Dieu. Vraiment. Et tu m'as dit, comment est-ce que tu vas me dire merci? Voilà le merci que tu vas me donner. Parce que quand tu vas t'occuper de ta maman va s'asseoir seule. Elle ne me connaît pas. Hein? Elle va dire que la source de provenance de cet argent. Et cette source vient aussi, passe par moi. Et je... Amen, amen, gars. Merci beaucoup. Prochaine personne, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mirabel. Oui. En fait, moi, je n'avais jamais entendu de stock market. Tu sais, Steve, toi et moi, on partage plus la parole de Dieu et tu m'as toujours encouragé en tant que single mother. Ah, mais c'est vrai que je suis mariée aujourd'hui et mon mari n'est pas sur place. Donc, c'est la semaine passée où je suis passée, je t'ai appelé toujours pour un autre problème. Tu m'as fait comprendre que tu as un truc qui peut m'aider en tant que maman seule. Donc, je ne savais même pas de quoi il s'agit. Je n'avais jamais entendu. Même, je n'avais pas vu ta publicité. Je sais qu'avec toi, c'était la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça. Moi, tant que c'était toi, tu comprends? Moi, j'ai dit, je vais seulement me lancer parce que je sais que tu es mon frère, tu ne peux pas me tromper. Donc, c'est comme ça. Tu as remarqué, le premier, je t'ai même demandé ce que signifie cher. Donc, je n'avais aucune idée. Même dire que tu entends quelque chose, tu peux même regarder ce que ça signifie. Je ne connaissais rien du tout. Mais aujourd'hui, vraiment, je pense que puisque depuis 2020, j'ai prié au Seigneur, je savais qu'il y a quelque chose. Je voulais faire un truc parallèle, en fait. Et puis, parce que le travail sorti tous les jours avec les enfants et tout, le mari n'est pas sur place, il est dans un autre pays, tu vois. Donc, je prie au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai réfléchi dans tous les sens. C'est vrai qu'il y avait le Amazon qu'un ami m'avait parlé. Bon, jusque-là, j'hésitais parce que j'avais confiance à personne. Donc, je me suis dit que ça, c'est peut-être la voix de Dieu. Et pas peut-être, ça, c'est la voix de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai espoir. Je me vois plus loin que ce que je pensais, en fait. Avec tout ce que tu m'as expliqué, tout ce que j'ai appris, même à mon mari, j'ai dit ça l'autre jour, que vraiment, le Seigneur m'a mis sur un bon chemin. Donc, je te remercie, Steve. Je crois que Dieu t'a utilisé dans ma vie, beaucoup. Amen. Donc, merci beaucoup. Amen. Wow. Mirabel, moi, je vais... ce qui m'a marqué avec toi, et il faut que je le dise, hein, pour que les gens comprennent. C'est vrai, je n'ai jamais... Je n'ai pas voulu qu'on fasse des cours avec les vidéos parce que je n'ai pas voulu que certains garçons regardent maintenant les filles ou certaines filles regardent les garçons parce que l'idée première, c'est le reading. Et on connaît la chair faible. Même j'ai vu « The spirit is willing, but the skin is weak. » Mais Mirabel, malgré ta... Tu n'as jamais voulu utiliser ça. Tu m'as toujours vu comme un frère et tout. Une autre fille devait utiliser sa beauté pour vouloir me dire non, attends, pardon, je vais payer 475, 490, 400. Tu m'as dit, quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit, Steve, c'est le Seigneur qui t'envoie. Pourquoi tu dis, c'est le Seigneur qui parle. Parce que depuis, j'ai prié pour ça.
tu as dit, je vais te suivre. Je suis content, Mirabel, vraiment, que le Seigneur qui a commencé à parler, qui finisse ce qu'il avait entrepris ou ce qu'il avait projeté. Tu vois. Parfois, tu as gagné combien sur le match. Je sais que tu n'étais pas, tu étais entre au boulot et tout, tu n'étais pas vraiment concentré. Mais sinon, tu as quand même fait quel profit en, environ? Yeah, j'ai fait $110 depuis cette semaine. Avec combien investi? J'ai investi 800. De 800, tu as eu $110 en combien de jours? J'ai 300 dans. Investi 600. 600, oui. 600. 600. Et tu as eu les $110 en 2 jours ou en 3 jours? En 3 jours. Et étant au travail, bon, même pas la 20 ans. Mm-hmm. Tu vois que si tu utilises maintenant la technique de plein temps, du swing trade, je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle, j'entends une voix qui me dit, en tout cas, je ne vais pas parler, ça est fait. Ok, super, je suis content, je suis content. Merci Mirabel. Prochaine personne, je vais changer. Bon, ça y est, c'est fait. Oui, je vais juste. Y a-t-il une prochaine personne qui veut parler? J'ai pas entendu Flore. Bonsoir. Bonsoir, Flore. Bonsoir tout le monde. Mais so far, j'apprends tous les jours et même aujourd'hui, j'apprends. Au début, je connaissais rien du stock et je me suis mise parce que je me suis dit, OK, il faut que je change un peu, je ne peux pas dire ma vie, mais bon, je change un peu les techniques de ma vie pour ne pas dépendre totalement du boulot américain. Et en cette année, j'avais déjà commencé, au début de l'année, j'avais déjà commencé à mettre l'argent dans d'autres opportunités pour me ramener de l'argent. Donc, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, OK, il me reste encore un tout petit peu que je voulais injecter dans une autre truc et que j'étais en train de build ça. Donc, je me suis dit, OK, j'injecte sur celui-ci et avec le temps, je vais voir comment ça va aller. Je suis en train d'apprendre, j'apprends tout doucement. Je ne connaissais rien du stock market, mais je suis en train d'apprendre. Et j'espère que avec les jours à venir et le groupe qui va rester avec les alertes, on pourra s'entraider. Donc, sauvage, j'apprends. Merci. Bon, il y a quelque chose que vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'ai pas voulu dire ça de peur que certains gens take advantage, mais je pense au lieu que je suis conduit par l'esprit, je dois maintenant respecter l'esprit. Hein. Je ne dois pas être têtu même avec l'esprit. Avant que tu ne parles, j'ai entendu une voix me dire qu'il y a une personne qui doit continuer cette formation. Bon, je n'ai pas voulu dire parce que je fais que si je devais faire ici, bien sûr, d'autres gens vont dire non, moi aussi, non. Attends, on ne va pas quand même faire le bordel à la fin. Mais je suis reconnaissant quand même que toi, particulièrement, Flore, tu as un schedule un peu trop chargé et c'est parce que tu as aussi trop de projets en cours et trop de goals riches. Ce qui fait que souvent, tu prenais les cours n'étant pas vraiment assise, posée. Donc, exceptionnellement, Flore, si tu veux, je vais te reconduire dans la prochaine classe. Si tu veux, pour que ça te donne encore plus d'âme d'être sûr, parce que je ne veux pas laisser quelqu'un qui n'est pas vraiment sûr. Mais sauf ça, tu ne m'as pas dit ce que tu as gagné, sauf ça. J'ai rien gagné.
Et tu connais pourquoi? En principe, c'est parce que je pense que je n'ai pas assez de fonds aussi. Ça, je te l'avais expliqué, parce que je venais de mettre la majorité de mes économies quelque part, ou ce qui est en train de me rapporter par semaine. Je connais, ouais. Voilà, je crois que je t'ai expliqué ça. Donc là, je suis en train de... Oh, vas-y, passe alors. Excusez-moi, je suis en train de conduire, c'est un peu plus... j'ai mis de l'argent ailleurs, donc je n'ai pas... Je suis pas en train... Ça, je découvre, hein. Franchement, ça, je découvre, de m'y mettre, quoi. Et je sais que quand j'aurai les fonds, ça va aller, mais... Je n'ai pas dit que j'ai gagné, Tu as mis combien sur le marché, Sofa? Tu as investi combien? J'ai investi $300 dans le marché. OK. Maintenant que tu n'as pas gagné, est-ce que tu as perdu? Non, je n'ai pas perdu. Hein. J'ai gagné $10. Si, faut, moi, je ne dis pas que j'ai gagné parce que $10. Mais j'ai gagné $10. Mais... OK. Une autre question. Si tu ne m'avais pas connu, si je ne t'avais pas coaché, est-ce que tu penses que... Ayant mis les $300, est-ce que tu penses que tu aurais perdu ou tu penses que tu pourrais faire mieux, même sans moi? Ta question me paraît un peu bizarre parce que je ne comprends pas ce que tu veux par là dire. Et est-ce que tu aurais pu... Parce qu'il y en a qui misent et perdent. Est-ce que tu pouvais miser avec certitude si tu ne m'avais pas... Out of parce que souvent tu vois quand la classe a commencé généralement je me lève à 3h du matin pour commencer mon boulot, donc ce qui fait que je dormais un peu souvent tôt, ou bien j'étais là les premiers jours parce que je crois que j'ai pris la classe ça avait déjà commencé, donc je n'étais pas avec, tu te rappelles, même tu me disais support boire le café et je te disais je ne peux pas boire le café parce que je me lève à 3h du matin, si je bois le café à minuit je ne serai foutu, je n'aurai pas une nuit et tout ça là, donc voilà, donc j'ai pris d'abord la classe tard, mais Sofa, comme disaient certaines, je connais le nom de stock, je connais le nom de share, je connais swing, parce que aussi puisque je ne maîtrise pas, je vais aussi souvent sur YouTube taper et essayer de comprendre. Quand tu expliquais, par exemple, swing, qu'est-ce que c'est swing? Quand je ne comprenais pas, j'allais aussi sur YouTube. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, mais bon, si tu t'y mets, tu vas comprendre. Quand j'avais un moment, j'allais et puis je regardais mes sofas, j'apprends et puis je me dis, ça va aller. Mais c'est vrai que peut-être si j'étais seule et que tu n'étais pas... Tu ne m'avais pas conseillé, peut-être que j'aurais perdu cet argent, mais aussi, je n'aurais pas risqué cet argent. J'ai risqué parce que je t'ai fait confiance et je me suis dit, OK, tu as promis que ça va aller. Et oui, ça va aller parce que nous tous, on apprend, non? Comme disent certains, une a dit tout à l'heure que si tu la lâches, elle va abandonner. Comme pour dire qu'on a toujours, on aura toujours besoin de toi avec les alertes. Tu nous as déjà montré l'essentiel. Donc, je pense que c'est à nous maintenant de faire, de continuer, quoi. De continuer et puis d'apprendre. Et on apprend toujours de ses erreurs. Je me rappelle la première fois, je me suis dit, je suis en train de perdre. Et tu m'as dit, oh non, vraiment, il faut que je vais te donner de l'argent. Je t'ai dit, non, comment ça, tu vas me donner de l'argent? Tu dis, non, je ne veux pas quelqu'un perdre. Je ne veux pas que j'enseigne quelqu'un et il perd. J'ai dit, mais tu parles de quoi? Non, mais si je perds, c'est normal. Parce que si je perds, il faut que je perde et j'apprends pourquoi j'ai perdu et comment est-ce que je vais gagner demain. Et je t'ai dit, non, puisque je sais que dans 2 semaines, je t'ai dit dans 2 semaines, je ramble mon compte à 2000 parce que je sais sur quoi je compte. Et ainsi de suite, d'ici la fin de l'année, je dois me retrouver avec at least 15 à 20 000. C'est parce que je sais sur quoi je compte que je dis ça. Donc, oui, peut-être parce que... Si ce n'était pas toi, oui, peut-être que j'allais perdre ces 300. Mais voilà, je n'ai pas perdu. Les 300 sont toujours là. Plus un $10. Parce que aussi, je crois que parce que aussi, je ne prends pas beaucoup de je n'achète pas beaucoup de shares. So, sur les shares de maybe 090 something, or maybe, you know, je ne gagne pas beaucoup. Sometimes, j'ai peur. J'ai peur, like, quand tu vois ça descend, ça monte, là, tu te dis, OK, il faut que je prenne vite.
et tu te retrouves en train de gagner maybe un cent, pas cher, et les trucs comme ça. Mais c'est bien, parce que je te dis, oh, j'ai gagné un cent. Donc, si j'avais 1000 shares, comme si tu vas souvent les 1000 shares, mais je devais gagner plus. So, c'est encourageant et ça te fait comprendre que si tu mets... Et je voudrais aussi dire que dans le stock market, on ne doit pas comparer les avoirs, les bénéfices. Par exemple, la dernière fois, j'ai mis dans le groupe, je crois que c'était Index. Je vous ai dit, c'est en train de grimper. Il faut vendre maintenant. Moi, j'ai vendu à 1,49. D'autres ont vendu à 1,50 et poussière. Donc, on ne peut pas comparer. On se dit, quand on se lève le matin, on prie que le Seigneur bénisse et que même si on fait 5 dollars de bénéfices, mais qu'on ne perde pas nos avoirs, c'est tout. Si on ne perd pas nos avoirs, je pense qu'on sort toujours gagnant. Super, voilà la fin que j'attendais. Voilà la fin que j'attendais. Tu as bien compris. L'objectif était avec moi, ce n'était même pas que vous gagniez de l'argent. Donc, pour moi, c'était juste un défi. Un challenge que je me suis donné et j'avais même dit que j'avais plutôt étudié ça pour montrer aux nouveaux élèves que voilà, avec moi, ils font de l'argent pendant qu'ils apprennent. Et l'objectif était d'apprendre. Flo? Oh, sorry, j'avais muté parce que je faisais les bruits avec mes sacs. Yeah. Je dirais que l'objectif premier n'était même pas de faire l'argent, c'était d'apprendre. Est-ce que tu as quand même appris? Oh, yeah, sure. Je t'ai dit dès le premier jour que j'avais mon cahier et hier même encore, avant qu'on ne fasse le truc, je mettais mes choses au propre parce que quand j'étais au boulot, surtout aux environs de 9 heures, les premiers jours, je prenais ça sur des papiers volants. Donc, hier, j'ai essayé de mettre ça au propre. Parce que hier, c'était quand même un jour off. Et je crois que c'est hier là que j'ai même gagné mes 10 dollars. Parce que dans la journée, j'ai essayé, entre autres, de faire le swing. C'est vrai que je n'ai pas l'ordinateur pour voir les courbes déjà. Mais je partais sur le truc, je regardais et puis je revenais. J'essayais comme ça hier. Donc, j'ai appris. Mais je me dis, si j'ai plus de temps et plus de fonds, ça va aller. Et plus d'outils et un ordinateur. Plus d'outils aussi, il y a plus d'outils aussi. Alors, en conclusion, un rate, s'il y avait un rating qu'on donnait, si ça me donne combien? Say it again. En conclusion, s'il y avait un rating par rapport à ma formation, mon coaching, quel est le rating que tu me donnes sur 6? Oh, mais écoute, hein, Steve, je t'ai dit dès le départ, tu fais un good job, you know, et tu vas te perfectionner avec les autres. Mais peut-être avec nous, s'il y a eu les couacs, avec les autres, ça va être mort. Tu vas apprendre de tes erreurs, comme nous-mêmes, on va apprendre de nos erreurs, you know. Tu as fait un good job, tu nous as donné, peut-être même au-delà de ce que les autres coachs allaient donner. Il y a eu un témoignage de ton petit là tout à l'heure qui disait que, OK, il est peut-être un peu... C'est un jeune à qui je peux comprendre. Il est peut-être tête en l'air. Et aujourd'hui, il te dit merci, il est content parce qu'il n'avait pas compris ça. Et moi aussi, je me dis, si j'étais, quand je suis arrivée aux États-Unis, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait parlé de cette histoire, je ne sais pas si je serais encore aux États-Unis, peut-être si je serais rentrée au Cameroun. Mais je n'ai eu personne pour me parler de ça. Donc, c'est un privilège et je peux dire, c'est comme a dit la dernière sœur qui a parlé avant moi, Dieu t'a peut-être mis sur une autre route pour nous ouvrir cet autre chemin financier. Donc, tu as fait un good job et sincèrement parlant, il y a des choses que tu as dit que peut-être d'autres coachs ne devaient pas nous dire. C'est vrai qu'entre autres, on regardait aussi, c'est toujours cette année, hein? J'ai l'impression que cette année, c'est une année où le Seigneur a dit, OK, il va bénir ses enfants malgré le coronavirus. Parce qu'en cette année, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Amazon Market et tout ça. C'était la première fois. C'est la première fois aussi, entre guillemets, je ne peux pas dire que c'est la première fois que j'entendais parler de stock. Pour moi, le stock, c'était étrange. Ce n'était pas pour les gens normaux comme nous autres. C'était stock, c'était pour ces gens-là. Entre guillemets. Mais aujourd'hui, je comprends que everybody can do it.
Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vouloir acheter un stock pour mon fils. Avant la fin de l'année, il faut que j'achète un stock que je dépose là pour mon fils, pour son avenir. Il est grand aujourd'hui, c'est vrai, mais comme je peux dire, c'est comme un héritage. C'est vrai que je suis en train de vouloir faire un truc au pays, mais je ne le vois pas rentrer au pays d'ici là. Donc, merci. Et le petit là, ça va l'aider. Ça va aussi aider sa famille. Ça va aussi aider ceux qui vont venir, va leur dire, ben, écoutez, faites ça. Moi aussi, si, j'attends. Je me dis, si quelqu'un vient ici, je veux lui dire, tu sais quoi? Le stock market, c'est ça qui peut te rendre. Donc, so, tu as fait un great job. Thank you. Et j'espère qu'avec les autres aussi, tu vas avancer. Tu vas aussi les enseigner. L'esprit aussi va te guider. Et puis, tu vas aller... Tu feras aussi un great job comme tu as fait avec nous. Thank you so much. Et j'espère que... J'ai un mot là. J'ai un dernier mot là, s'il te plaît. Je voulais dire aussi au groupe que même Amazon est bon. Hein. Donc, ne mettez pas aussi tous vos œufs dans un seul panier. Moi-même, je fais aussi Amazon. Ah oui, c'est vrai, je suis donc, d'accord. Il faut aussi essayer de faire un peu de tout parce qu'on ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau, comme on disait chez nous. Les produits, oui, vend les produits. Non, tu vends les produits, ok. C'est un peu ça. Je sais pas si tout le monde a parlé. J'ai vu un iPhone se connecter. Raïssa est là, et peut-être c'était pas elle. Bon, merci. Ça m'a touché. J'aime bien même les critiques, ça me fait me remettre en cause et essayer d'être bêta beige. Tu veux une critique, s'il te plaît? Tu veux une critique? Merci. Ne le fais pas avec le prochain groupe. S'il te plaît, ne le fais pas avec le prochain groupe. Quand tu parlais souvent, tu disais que oui, vous les filles, vous partez sur Facebook draguer les bordels, les ceci. Please, don't do that no more. I was so shocked quand tu as dit ça. Et ça revenait dans ton langage. Je sais que peut-être somewhere tu as été blessée, mais don't do that. Ça m'a blessée. En fait, le problème, c'est que même quand je prêche, je dis souvent aux gens, utilisez, parce que les femmes souvent croient que... Quand je parle généralement, je ne parlais pas de toi. Non. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Non, je dis... Moi-même, je dis généralement. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, c'est juste un truc. On croit que c'est le make-up, c'est les mèches brésiliennes, c'est le Snapchat qui attire l'homme. Oui, tu vois des femmes sur Facebook, elles se mettent... Qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente juste ses fesses. Elle présente les formes. Voilà tout ce que tu as offert à un homme. Mais de nos jours, l'homme regarde plus que ça. Il regarde d'abord une femme qui craint l'éternel. Une femme qui a quelque chose à offrir. C'est pourquoi je disais souvent, au lieu d'aller sur Facebook pour vouloir attirer, chercher les hommes, prenez le temps de jouer avec les applications de trading et allez fouiller. Vous verrez beaucoup de choses cachées là que souvent, moi-même, je n'aurais pas le temps de vous expliquer. Mais humblement, je m'excuse si ça avait baissé la sensibilité de qui que ce soit. Et merci, j'ai compris. Je vais essayer de ne plus dire ça dans mes prochains cours. OK? Yep. OK? All right. OK, merci beaucoup, Steve. C'est bon. Maintenant, je pense, après avoir écouté tout le monde, je pense qu'il est important qu'on garde ce groupe pour les coachings, pas plus pour les coachings, mais pour les alertes et pour quelques petits conseils que je pourrais de temps en temps lancer. Je ne vous coupe pas, Steve. Voilà, ouais. J'ouvre mon Facebook message. J'ai vu un message qui apparaît d'une femme que je ne connais pas. Elle s'appelle Rode Fumbe. Voilà son message. Bonjour, madame. Désolée de vous écrire. Je suis intéressée par la formation de Steve. Mais je voulais avoir un feedback personnel d'une de ses élèves. Comment ça se passe? Il est bon. Tu peux déjà avoir les résultats. Donc, c'est pour dire que les gens voient ce que tu fais, les gens lisent. Et comme tu avais dit, voilà, c'est un message que je viens d'avoir. Elle écrit ça à midi, paraît-il. C'est maintenant que je vois. Ah, OK. C'est cool. Bon, voilà, je disais exceptionnellement, je l'ai dit ici pour toi, que... Je ne voulais pas dire ça publiquement parce que je ne veux pas que tout le monde dise moi aussi, parce que certains vont croire qu'elles ont encore besoin de moi. En réalité, vous n'avez beaucoup non plus besoin de moi ici. Tout le monde n'a plus besoin de moi. Mais toi, exceptionnellement, tu seras la bienvenue pour continuer les prochains cours parce que je sais qu'il y a des jours où ton emploi de temps ne te permettait pas. Tu vas choisir, j'aurai les cours de 7h, 9h, j'aurai les cours de 20h, 22h. Tu choisis et tu m'écris, OK?
All right, merci, merci déjà. Ouais, et je ne demande rien, ce sera gratuit vraiment. Ok, tombons dans le fil du sujet. Je vous ai bréché un peu ce que c'est que le stock. C'est vrai, au départ, à l'entame de cette formation, je vous ai expliqué ce que c'était une compagnie pour que vous voyez l'essence, d'où est-ce que le mot stock vient. Je n'ai pas voulu entrer en profondeur pour vous expliquer comment ça se passe dans les compagnies parce que ce n'était pas ça l'objet de notre réunion. Nous sommes réunis ici pour apprendre comment multiplier l'argent, comment de entry and exit in the stock market, acheter bas, vendre cher. C'est ça l'objet. J'ai dit les gros mots, on met de côté, on prend ça comme nos papas qui achètent les marchandises moins chères et qui vendent cher pour le gain parce que le plus important, c'est le gain. Mais comme voilà un parfait exemple qui vient là d'une personne qui peut-être même me connaît, mais vient derrière pour avoir une assurance de toi parce que c'est vrai. La communauté où nous sortons, surtout nous les Camerounais, on est entre Camerounais, on s'insulte, on se dit les vérités, on se connaît. Bon, certains sont étiquetés comme 419. Quand on voit quelqu'un, on se dit c'est une opportunité pour lui de se faire de l'argent. Je les comprends. C'est pourquoi j'ai toujours aimé Dimitri qui m'a dit, mon grand, je prends d'abord l'argent. J'ai dit, attends, je te dis les conditions. Il dit, non, je n'ai pas, je ne veux rien comprendre. Il a donné parce qu'il me connaît depuis des années. Il connaît un peu qui je suis. L'argent, ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne m'effraie pas. C'est depuis, en fait, que Dieu m'avait déjà béni. Maintenant, je peux comprendre ces gens sur Facebook qui ne me connaissent pas. Naturellement, c'est normal. Il y en a qui prennent l'argent. Je ne vais pas citer les noms. J'ai appris même qu'il y a aussi dans notre communauté camerounaise qui font des formations peut-être même plus chères et peut-être en une journée, peut-être qui ne donnent pas assez de temps. Il y a des blancs qui prennent des gros montants, qui ne donnent pas tout le temps. Je n'ai pas cité un nom, je ne veux pas de problème. Mais moi, ce que vous me donnez, j'apprécie et je m'arrange de me battre pour que vous ayez plus même que ce que vous avez donné. Alors, je ne veux pas vous libérer là maintenant. Peut-être tu parles là, quelqu'un te pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un stock? Tu dis, ah, je ne sais pas. Il m'a même seulement dit que c'est des trucs de compagnie, non? Alors, prenez un bic et un papier chaque, s'il vous plaît. On va encore faire une petite formation de séparation. Que tout le monde prenne un bic et un papier, un format, je vous l'en prie. Que tout le monde prenne un bic et un format. La définition du stock dont on a longtemps parlé, étudié, analysé, observé, même les cours, le stock que vous achetez depuis. C'est quoi la définition? A stock is a general term used to describe the ownership certificate of any company. A stock is a general term used to describe the ownership certificate of any company en français. Un stock est un terme général utilisé pour décrire le ownership, la propriété, comme un certificat de propriété quand tu achètes un terrain. Un certificat de propriété, quand tu as ta voiture, tu viens avec, avec le papier pour dire voici ma voiture, comme ton enfant. Tu viens avec l'acte de naissance. Tu dis c'est mon enfant. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est là, le stock, c'est un peu ça. C'est un terme général utilisé pour décrire le certificat de propriété d'une compagnie. Là, c'est le stock. Maintenant, qu'est-ce que fait qu'un share, quand on dit share, le stock, est différent. Maintenant, le share, c'est quoi? A share is a type of ownership certificate of a particular company. A share is a type of ownership certificate of a particular company. En français, le share, c'est un type de certificat d'une compagnie particulière. Maintenant, j'ai un ami, je ne note pas son nom, mais c'est un peu rigolo, qui m'a appelé hier, il me dit, pardon, mets-moi dans ta prochaine classe. J'ai dit oui. Mais il me dit, Gaga, pasto, arrête de faire la publicité sur Facebook. J'ai dit, pourquoi? Il dit, gars, tu vas informer toute la communauté et tous les gars vont entrer dedans, on ne va plus se faire l'argent. J'ai ri l'affaire là, j'ai failli tomber. Il n'est pas méchant, mais ce qu'il ne connaît pas. Même la Bible dit que le peuple périt pour faute de connaissance. Parce qu'en réalité, c'est en réalité, tu ne peux pas, cet argent, tu ne peux pas finir.
ce n'est pas un peu comme je fais pas quel domaine. C'est pas comme le IT, même le IT, bon, c'est pas comme le IT qu'on dit si tu pars là-bas, on ne peut plus m'embaucher. Non, le stock market, les millions de personnes font ça, peut-être même en termes de milliards, je ne sais pas. Mais beaucoup, et ça ne va jamais diminuer. Au contraire, même s'il y a plus de gens sur le marché, comme j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Quand la demande est forte, le prix augmente. Quand la demande est forte, s'il y a même plus de gens, on va même faire plus d'argent. Alors, the number of stock, number of shares, I'm sorry, number of shares in the stock. Number of shares in the stock. Quelle est la quantité de shares dans un stock? Typically, a startup company, typically, a startup company has 10 million. 10 million authorized shares. Typically, a startup, là on parle de startup. Généralement, une compagnie qui vient de commencer a l'autorisation d'avoir, même pas, doit avoir 10 millions de shares, de common shares, 10 millions de common shares. 10 millions de common shares. Mais est-ce de compagnie grosse, it may increase the total number. Ça veut dire, comme la compagnie grandit, le nombre de shares peut augmenter. Comme la compagnie grandit, le nombre de shares peut augmenter. Pourquoi ça augmente? Ça augmente parce que la compagnie grandit. Parce que la compagnie offre maintenant les shares aux investisseurs, plus d'actions, plus de shares aux investisseurs et aux employés. La compagnie offre plus de shares aux investisseurs et aux employés. Maintenant, quels sont les différents types de stocks? Quand vous comprenez stock-là, il y a les différentes qualités de stocks. C'est vrai, globalement, sur les applications, nous achetons juste. Mais quand on rentre dans la profondeur, il y a différents types de stocks. La première qualité, c'est le stock appelé growth. Growth stock. Et growth stock. Et gros stock. Les gros stocks sont généralement appelés les stocks que tu achètes qui permettent de grandir le capital. Les stocks que tu achètes pour que le capital grandisse. Growth. Growth. Vous connaissez l'anglais que mieux que moi. G-R-E-O-W-T-H. Il y a les dividend stocks. Ce sont les stocks qui donnent les dividendes. Il y a les new issues et il y a les defensive stocks. Mais généralement, quels sont les deux stocks les plus utilisés, les plus connus dans le thème du marché? Les deux stocks les plus connus, il y a le common stock et il y a le preferred stock. Comme le nom se dit, préfère. Common stock, c'est le stock que tout le monde achète, que nous achetons. Il suffit de ton téléphone, ton compte bancaire, tu achètes. Mais attention, il y a les preferred stocks. Quelle est donc la différence entre les common stocks et les preferred stocks? La différence, c'est que les preferred stocks do not give a voting right. Ceux qui ont les preferred stocks ne peuvent pas voter. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas voter? Quels sont ceux qui peuvent voter? C'est ceux qui ont les common stocks. Ce sont eux qui peuvent voter. Mais tu vois, c'est peu un genre, on va se dire, mais c'est préfet qui devait voter, pas commande. Pourquoi? Parce que les préfets sont les privilégiés de l'entreprise. Comme tu le nommes, c'est en tant que préfet, ils sont privilégiés de l'entreprise. Au même titre que les bondholders, au même titre que les obligeants qui ont les obligations. Je vous ai expliqué à l'entame qu'est-ce que c'est que l'obligation. Maintenant, obligation et bond, c'est bien tricky. Parce que l'obligation et le bond ont presque la même définition, mais de façon différente. Qu'est-ce que c'est que l'obligation? Je vous ai expliqué. L'obligation, c'est peut-être l'argent que la compagnie désire. Il décide d'aller contracter un prêt vers une institution. La majorité de ces institutions sont les banques. Mais avec un bénéfice, avec un taux d'intérêt prédéfini. Mais là, l'obligation est un peu comme un agrément, un arrangement, un agrément entre la compagnie et la banque. Mais qui est une obligation.
l'obligation ne connaît pas que la compagnie a chuté, la compagnie est montée, peu importe des difficultés, c'est un prêt que la compagnie a contracté qui doit se payer. Que ce qui est coronavirus ou pas, la compagnie se paie. Le montant se rembourse avec intérêt. Mais maintenant, le bond. Bond, c'est la même chose que l'obligation, mais à la seule différence que le bond, c'est toujours l'argent que une grosse institution ou même un privé, un homme, quelqu'un qui a son argent, une femme, peut maintenant aller dans une compagnie acheter le bond. Ça veut dire que la compagnie a besoin d'argent, lui l'achète. Maintenant, là, c'est un contrat. Le bond, c'est comme un contrat qui est toujours payé, pas par les dividendes, qui est payé avec intérêt. Mais là, maintenant, c'est un contrat légal avec, comme un titre foncier. Voilà, le bond, c'est un peu comme une partie du titre foncier de la compagnie. Mais il n'est pas actionnaire. Par contre, les gens qui ont les bondholders et les obligations, et les gens qui ont les obligataires avec qui la compagnie a contracté l'obligation, sont les privilégiés si la compagnie tombe en faillite. Quel que soit le cas, c'est d'abord eux qu'on paye. Après, eux viennent maintenant les gens qui ont les préfets stocks. Les gens qui ont les... Comme mon stock, c'est en dernière position. Donc, voilà un peu, en quelques termes, certaines façons que j'ai voulu brécher pour que si quelqu'un vient dans votre IB, vous écrit et vous posez la question, mais est-ce qu'il vous a même formé, vous a dit le stock c'est quoi, vous soyez capable de répondre parce que vous allez me représenter là-dedans. Maintenant, revenons dans la phase technique de la chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a encore quelque chose que depuis qu'on a commencé cette formation, a compris et a encore des doutes ou n'a pas compris? Est-ce que vous pensez que sur le marché lundi sans moi, est-ce qu'il y a quelque chose que selon vous, ça va vous déranger? Si je peux remédier à ça maintenant, s'il vous plaît. Allô? Oui. Oui, je voulais... Attends, je suis en train d'entrer dans mon compte. J'avais une question sur... Account position. Oui, sur le trailing stop. Trailing stop. Oui, trailing stop, oui. En fait, je veux savoir si j'ai compris. Le trailing stop, c'est quand, par exemple, tu veux mettre la limite. Si, par exemple, le chien est en train de grimper et que tu ne veux pas que, par hasard, ça descende sans que ton stock soit vendu. Tu mets le trailing stop, c'est ça, n'est-ce pas? Super. Mais comment est-ce que tu fais pour mettre le trailing stop? Maintenant, ça va dépendre de combien tu veux gagner, combien tu veux perdre. Tu veux pas, à quel niveau tu veux t'arrêter. Donc, tu peux décider de vouloir perdre seulement 0,16. Ça dépend maintenant de comment tu juges le graphe. Super. Et maintenant, quand tu es dans l'application, quelle action tu mets pour le training stop? Tu peux partager hein, ou tu veux que je partage, moi pas. Tu mets ça quand tu veux vendre, non? Oui. Je veux seulement me rassurer que j'ai bien compris le training stop. Si. C'est tout, tout ce que tu me fais faire, c'est tout. Tu mets sel. Tu mets d'abord sel. Tu mets le montant que tu désires. Le montant qui est sur le marché, le montant que tu désires. C'est ça que je comprends. Bon, voilà mon application. Je veux mettre le trailing stop sur un stock, disons Biocet. Qu'est-ce que je fais? Indique-moi, pardon. Attends, je ne vois pas ton application. Bon, attends, je mets un truc, le montant est simple, pour que ça ne nous casse pas la tête beaucoup. OK. Voilà le stock Broadway Financial. J'ai acheté ça à 2,14.
J'ai acheté à 2,14. Qu'est-ce que je fais? Regarde l'écran, dis-moi où je pars. At close position. At position. Oui. Close position. Qu'est-ce que je fais? Buy. Action, buy. Action, sell, sorry. J'ai mis sell. Qu'est-ce que je fais? Type limit. Limit, yeah. Qu'est-ce que je choisis? Trailing stop dollars. Trailing stop dollars. Qu'est-ce que je fais? Tu mets le nombre de chèques que tu veux vendre et puis tu mets le montant. Ok, je veux vendre des chèques. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, tu passes sur le stop dollar. Tu mets à quel niveau tu veux que ça s'arrête. C'est pas vendu. Explique bien pour que tout le monde comprenne. Pourquoi? Explique-moi pourquoi je fais ça déjà. Tu fais ça parce que tu ne veux pas... En fait, quand la courbe est en train de monter et que tu as espoir que ça va plus monter, tu mets maintenant le train stop. Si tu n'es pas sûr que tu vas être là, tu mets le train stop pour que si ça descend, ça ne descend pas jusqu'à un niveau sans que, tes chaînes ne soient vendues. Et dans le cas échéant, j'ai acheté le stock à 2,14. Maintenant, on imagine que le montant est déjà à 2,20. C'est déjà 2,20 sur mon graphe. Et okay. Qu'est-ce que tu fais? C'est à 2,20. Qu'est-ce que tu fais quand le montant est à 2,20? Quand tu le montant... Fais quel montant sur le train stop? À 2... Oui, je ne suis pas très sûr. Bon, je vais expliquer encore. Je sais que tu connais, mais je vais expliquer pour que tu expliques, pour que tu me dises quoi faire. J'ai acheté le stock à 2,14, un stock. J'ai acheté 1000 shares, dont j'ai dépensé 2140 $ pour ce stock-ci. Pourquoi j'ai choisi ce stock? J'ai étudié, on a tous appris comment acheter. On a tout à écouter le stock. Maintenant, je veux vendre à combien? Quand tu achètes à 2,14, tu veux vendre à combien? À 2,20, disons. À plus de 2. Il y a un manque plus que ça. Plus de 2,14. Plus de 2,14. Maintenant, c'est déjà à 2,20. Et c'est toujours en train de vouloir monter. Maintenant, on connaît, ça peut redescendre. Ça fait les zigzags. On a appris ça à la fluctuation du prix sur le marché, n'est-ce pas? Alors, oui. Maintenant que c'est à 2,20, qu'est-ce que je mets ici au stop? Stop, si là, pourquoi stop? Stop 2,19. 2,19. OK, si je veux mettre à 2,19, je vais donc mettre quel montant ici là maintenant? 0,1. Très bien. Super. Mais c'est souvent confus. Il y a souvent la confusion. Regarde bien l'écriture, regarde bien le téléphone, regarde bien 2,14. Oui. C'est écrit 2,20. Maintenant, si tu mets 0,1. Oh, yeah. 0,01. Ouais. 0,01. Oui, ça c'est vrai. OK. Maintenant, 0,01, ça veut dire que tu donnes l'ordre à ton téléphone que si ça descend à 2,19, ça vend. Avant, ouais. On est d'accord? Oui, très d'accord. Tout ce que ça peut, si tu ne mettais pas l'ordre, ça peut descendre à 2,18. Attends, je partage mon écran, vous voyez. Si tu ne donnais pas l'ordre, voilà. Voilà la fluctuation. Ça peut descendre à 2,18. Ça remonte. Bon, prenons un bon exemple. Oh, attends, je prends une autre courbe pour qu'on voit un meilleur exemple. Comme c'est qu'on a eu aujourd'hui. On a eu ça avec quel stock aujourd'hui? Avec Nios. On
Non, c'est même pas un bon exemple ici. Quel est le stock qui est beaucoup monté aujourd'hui? Ok, bon, je vais mettre une autre date. Regarde la courbe fait. Voilà. On admet qu'on va faire 2,20 ici. Voilà, 2,20 ici. Le pic, c'est là, fait 2,20. Le pic, là, regarde bien, il fait 2,20 ici. Ton training stop ici. Tu mets ton training stop ici au milieu. Regarde. On a tous appris training stop, c'est une mesure de sécurité pour ne pas perdre ton argent. C'est où tu donnes sur la commande de la machine. Que vendez si ça veut défendre. Si ça défend ici, ça vend. Pourtant, si tu n'avais pas mis le training stop, regarde, ça défendait ici, ça montait jusqu'en haut. Alors, qu'est-ce qu'on apprend par là? On apprend par là que c'est bon de mettre le training stop. Je n'ai pas dit non. Mais c'est bon aussi de calculer la différence, le risque de calculer, de mettre un bon écart. C'est pourquoi on ne doit pas être trop gourmand dans le stock market. Tu es trop gourmand, tu vas perdre. Parce que regarde, c'est à 2,20 ici. En mettant 0,01, ça veut dire que tu mets à 2,19. Ça veut dire que tu es prêt à perdre seulement 1 fin. Mais tu vois que les petits 1 fin, là, ça va vendre. Pourtant, si tu avais mis 0,03, ça devait défendre ici comme ça, là. Voici 0,03 ici. Ça devait défendre à 2,18 et remonter. Donc, suivez le train stop, mais une petite, mais un petit, et ne mets pas l'écart, ne sois pas gourmand. Mm-hmm. Ne sois pas gourmand. Si tu achetais à 2,14, c'est déjà à 2,20. Mets même l'écart de 0,03. Là, pour arriver à 0,03, ça va quand même durer, tu vois un peu. Mm-hmm. Voilà. Ne mets pas directement 0,01, ne mets pas directement en dessous, non. Mais un peu un petit écart. Question, parce qu'on a appris la différence. Quelle est la différence entre training stop, stop market et stop limit? On a appris ça hier et j'ai demandé à tout le monde d'écrire. Là, la personne qui n'a pas bien compris peut encore aller relire ce qu'on j'ai demandé d'écrire. Quand je dis écrivez, tant pis pour ceux qui n'écrivent pas. Mais je vais encore brûcher ça un peu ici. Stop limit, tu donnes l'ordre à l'application. Que si le prix est en train de chuter, arrêtez, vendez. Quand c'est à 2 $, tu donnes l'ordre que vendez à 1,90. Là, même si tu dors, même si tu es au boulot, et que le prix retourne, on appelle ça bearish. Le prix décide d'aller downfall. Quand le prix retourne en dessous, ça vend. Là, c'est stop limit. Ça vend net au montant que tu as demandé. Quel est l'avantage du stop limit? C'est que tu as ton argent net au prix que tu as demandé. Quel est l'inconvénient du stop limit? C'est que si le prix rebondit, tu perds. Maintenant, stop market, ça veut dire, si le prix est à 2 $ en train de grimper, tu dis que stop market at 180. Quand ça va frôler la barre de 180, ça va vendre au plus offrant. Ça veut dire, dès que ça touche 180, si le plus offrant est même encore à 2 $, ça va remonter à 2 $. Si le plus offrant est même à 4 $, ça va vendre. Si le plus offrant est plutôt à 1,50 $, ça va vendre. Là-bas, maintenant, ça cherche où il y a la plus grande demande. C'est ça la différence. Market, ça veut dire ça part au market price. Mm-hmm. Maintenant, trading stop, je vous ai appris le terme, c'est pousser et mettre la cale. On pousse, on met la cale. On pousse, on met la cale. Train stop veut dire, tu veux plutôt gagner, tu ne veux plus descendre. Tu dis que non, je ne descends plus. Je mets une marge bénéficiaire, une marge de perte. Tu dis, au prix où mon stock est là, si c'est à 20 $, je suis prêt à perdre 0,03 $, ou je suis prêt à perdre au trop 2 $. Ça veut dire quoi? Si ça descend à 18 $, ça vend. Mais si ça monte à 30 $, le trading stop fait quoi? Ça suit le prix. Le trading stop est un peu comme l'aimant. Ça suit le prix. Le prix monte, ça monte. Donc, si tu mets si le stock est à 20 $, quand tu mets le trading stop net à 20 $, là, si la valeur monte à 30 $, le trading stop part maintenant où? À 28 $. Ça monte à 40 $, le trading stop part où?
à 38 dollars. Ça monte à 50 dollars, le train stop à haut, à 48 dollars. Donc, le train stop suit le prix qui monte. Et ça vend quand ça défend. Par rapport à la marge que tu as mis, la marge, je ne sais pas si c'est bon français, déficit, déficitaire, comment tu bénéficies, la marge de déficit que tu es d'accord de perdre. J'espère que chacun a compris encore bien. Mm-hmm. Qui n'a pas bien compris? Il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris sur le côté. On a bien expliqué hier, non? Ah, j'ai une dernière question par rapport au stock market. Parce que, explique ça, le dernier là. J'ai compris le stock 1000, j'ai compris le trailing. J'ai compris le trading stock, mais je veux comprendre encore le stock market, la dernière. Explique un peu ça, please. Le market stop. Market stop. Attends, je mets même la courbe pour que tu comprennes. Voilà la courbe ici. OK. Prenons un exemple. Tu es ici. Ici, c'est 2 dollars. OK. Ouais. Tu as acheté le stock à 1 dollar. Maintenant, tu as acheté ici en bas à 1 dollar. Ici en bas. Oui. Ton index ici à 1 dollar. Maintenant, c'est déjà ici à 2 dollars. Toi, maintenant, tu as la maison, tu dois aller au boulot urgemment, ou tu as une course à faire, ou on t'appelle, tu as un truc à faire urgemment. Mais tu vois, tu peux étudier la courbe, tu vois que le stock est en train de monter. Tu as peur. Parce que tu ne peux pas te concentrer pour attendre. Ou tu as un autre boulot. Tu viens maintenant ici. Ici, c'est 2 dollars. Comprenez bien le prix que je dis, 2 dollars. Tu pars dans la machine, tu mets un setup. Que je mets le trading stop. Non, le market stop. Market stop sur mon produit ici. Non, non, oh, ça c'est pour trading. Ça c'est la différence de trading. Oh, excuse-moi. Ici, c'est 2 dollars. Ici, maintenant, ça monte à 5 dollars. Ici, 5 dollars. Tu vois, tu veux toujours gagner, tu te dis que ça va encore monter, non? Tu dis, ouais. Mais maintenant, ici, c'est 5 dollars. Le stock que tu as acheté à 1 dollar, tu es à 4 dollars de bénéfice. Tu mets un market stop. Tu dis, je mets le market stop à 4 dollars, OK, sur mon produit. Tu dis, je mets à 4 dollars parce que c'est déjà à 5 dollars. Tu peux vendre maintenant. Mais tu veux que ça pousse encore. Alors, de peur de vendre ici et perdre, tu mets un market stop. Market stop veut dire, tu stop au market available price. Je répète, market stop veut dire, parce qu'il y a, stop limit. Ça veut dire que arrêter complètement. Mais market stop veut dire, à différent du stop et de market available price. Dès que tu mets le market stop ici, tu dis, je mets à 4 dollars. Dès que la courbe descend et fait comme ça, regarde, 4, fait 4 dollars et fait. Ça descend à 4 dollars et fait. Il y a les gens ici à 3 dollars qui ont fait la commande. Ils ont mis la commande pour acheter. Le stock, c'est à 3 dollars. Mais les gens ici sont peut-être 100 000. Ils veulent 100 000 stocks.